Allez, on est parti. Alors, vous savez, sur mon nouveau volant, j'ai des palettes d'embrayage. Les gars, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. J'en ai pas parlé dans mon test parce que honnêtement, c'était un peu bling bling, mais honnêtement, regardez ça. Alors, non, non. Hop, hop. Bon, faut un peu maîtriser, hein, mais attendez, je vais refaire. Je vais faire chier tout le monde surtout. Je comprends maintenant pourquoi certains, j'ai bien dit certains, hein, évidemment je pense que certains maîtrisent au pied, mais je comprends pourquoi certains sont très forts sur les départs. Ah ouais, non, mais non, 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 moi c'est un câble. Hein. Oh, 2 secondes, 3 derrière. Oh oui, faut que je m'applique là. Ouais, ce truc là qu'ils vont mettre en place là, cet e-rating en mode monoplace, ça va être pas mal. Parce que du coup, moi je suis 6ème du split alors que je fais quasiment jamais de monoplace, c'est pas très crédible tout ça. Oh, mais c'est la case. Ouais, au moins faire en dessous des 28,5. J'ai pas pris le X, mais c'était chaud. Ouais, on va faire pile 28,5. On va faire pile 28,5. Ah, je vous ai dit 28,5, c'est pas mal. On fait 28,5. Bon, c'est pas le départ de l'année, hein. J'ai un petit peu trop tenu ma palette de gauche en fait. C'est bon. Alors on m'a un peu trollé dans ma vidéo de ce matin sur la radicale en disant que je provoquais un crash une course sur deux. Bon bah là du coup les trois crashs devant moi, bon bah la moyenne de un crash sur deux elle s'effondre. Hein. Ouais Marvin. Alors envoie-moi un message Dawson. Mais au niveau des tarifs, je suis sur 110 les 4 heures. Et envoie-moi un message, c'est plus simple, parce qu'une nouvelle fois, je le répète, hein, le coaching, c'est pas ah, combien ça coûte, non, c'est surtout qu'est-ce que ça peut t'apporter. Que ça me rapporte à moi, bon, bah d'accord, ok, c'est quand même à prendre dans la balance, mais qu'est-ce que ça peut t'apporter, ça c'est le plus important. On est remonté 12e. J'ai des ailerons qui volent.
Ouais, le forum. Ah, dis-moi qu'il y a de la spi, hein. Ah oui. Ouais, j'ai remis le spotter parce qu'en fait, le spotter, quand il y a un accident devant, c'est pratique quand même. Surtout à Bathurst. Parce que Bathurst, quand j'ai commencé un petit peu à m'entraîner pour les 12 heures du week-end prochain, et quand il y a un accident devant, il y a juste le drapeau jaune. Sauf que le drapeau jaune, il se met à peu près 3 secondes, même pas 2 secondes avant que tu vois le mec, quoi. Donc c'est quand même pratique. Bah écoute, tu m'envoies un message, Dawson. Je t'ai dit, tu recherches le Discord, tu me repères dans les messages et tu m'envoies un MP. C'est la guerre, hein. Putain, elle fait mal au bras, cette caisse. Je vais mettre à la muscu. J'ai pas été bon là dans la bagarre, avant d'arriver dans le virage en bunking, j'ai freiné super tard, alors que j'avais l'intérieur, j'ai pas été malin. Mais bon, ça va tellement vite que... Après lui, je vois pas trop comment on peut remonter sur les mecs devant. Eh, il est revenu à 4 dixièmes. Et vous êtes 200 à suivre cette course, pensez au pouce bleu. Et ma vidéo, l'histoire de RF Factor 2, arrivera demain, 17h. Pour ceux qui sont membres, vous avez déjà peut-être pu la voir, donc voilà, n'hésitez pas à devenir membre. Ça sert pas à grand chose, mais ça soutient donc. Ouais, Event RF2, GTE Imola ce soir.
ça c'est pas... Après, Jules Castro, les gars, on peut pas s'attendre à grand chose d'autre. Ça bouge, hein. Ouais, chez Clé. Non, mais il y a personne en F1. C'est chaud, hein, cette fin de course, il y avait des étincelles aussi devant là-bas. Il va se tuer devant, il va se tuer. Alors désolé, je lis pas tous les messages les gars, mais quand vous me posez des questions techniques, fin de course c'est chaud. Hein. Et ce soir c'est un event organisé par RF2, hein, c'est pas moi qui fais un event. Oh, yo. Moi je vous dis j'ai peur. Moi j'ai peur dans ce jeu. Ce jeu me fait peur. Ah c'est la guerre devant. Three wide in the air. Bon c'était sûr. Moi, j'aurais bien voulu en profiter. Mais vraiment, cette F3... Je suis pressé de voir la nouvelle. Je sais pas si elle sera mieux ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment la meilleure monoplace du jeu, je le répète. C'est la plus agréable, la plus vivante. Il y a de la spi. Et les courses sont un peu animées par rapport à la Super Formula, où là, clairement, c'est nul de chez nul. Ouais, bon, peut-être que hein, ouais, peut-être 2-3 tours de plus, peut-être que j'aurais pu revenir sur le mec devant, mais rien de sûr. Donc écoutez, une belle place, hein. 27-6, je fais mon meilleur temps dans le dernier tour, donc je pense que j'en avais encore. Mais bon, après, déjà de la tenir sur la piste, je trouve que c'était déjà pas mal. Et c'est ça la difficulté de cette voiture, c'est que c'est bien d'être rapide, hein, mais vous avez vu que derrière, bah certains, ils ont été rapides, mais dans le mur, donc... Bon, le premier départ à l'embrayage n'a pas été folie, hein. Et moyen de le faire, on va dire. Désolé. Et j'étais en train de commenter avec lui ce qu'il disait, c'est-à-dire je l'ai doublé proprement, il m'a défoncé. Oui, j'ai vu ça. Donc là, il y a des pare-chocs qui volent. Oh putain! Oh, c'était beau ça, regardez derrière moi là. Ah ouais, mais moi j'ai foncé dans un pare-choc, pas dans un aileron. Oh, le net! Regardez la voiture 26. Il n'y a pas une autre caméra là? Mais regardez la voiture 26, les enfants. Moi, j'admire. Oh. Il était à 20 cm. Et pas beaucoup. On va aller regarder le dépassement du gars, là.
qui était beau, hein, c'est vraiment un enfoiré, hein, ce qu'il l'a doublé, regardez. Il l'a doublé super proprement. C'est-à-dire qu'il prend l'intérieur avec un beau dépassement magnifique. Et malheureusement, bah, Castro se sent un petit peu... Alors je sais pas c'est qui, hein, je m'en fous, hein, d'ailleurs c'est qui. Mais plutôt que juste accepter de se faire doubler, quoi, bah là il va y aller en mode, allez, je me jette à l'intérieur et dégage. Et il lui en met deux en plus, hein. Bon, je sais pas si c'est un netcode ça, non? Ah, je sais pas. Bon, bref. Mais... c'est dommage, une bonne fois, tu peux faire des erreurs, hein, sauf que quand tu tapes un mec comme moi j'ai fait en radical, bon allez, c'est que c'est une petite erreur, là c'est volontaire. Donc il était conscient de ce qu'il fait, et surtout il était en maîtrise de ce qu'il faisait, bon.